C'est dans le fond l'histoire d'un jeune qui s'appelle Steffi, qui a 16 ans, qui est un jeune solitaire en banlieue, qui n'est pas un jeune qu'on pourrait dire grandiose, là, c'est juste quelqu'un de très normal qui s'emmerde vraiment. Et puis, à un moment donné, il y a trois autres jeunes aussi qui ont à peu près le même âge, qui sont Jean-C, Alex et Constance, qui s'en viennent les trois le voir parce qu'ils n'ont pas de cellulaire, puis eux veulent filmer des pranks, justement, qui sont, disons en français, des mauvais coups. Donc, ils vont le voir, ils demandent, t'as-tu un cellulaire? Oui, ok, go. Puis là, ça commence comme ça. C'est vraiment l'histoire de quatre jeunes en banlieue qui sont pas spéciaux du tout Ouais. et qui font les 400 coups ensemble, qui filment ça, qui mettent ça sur YouTube, qui deviennent pas connus avec ça non plus. C'est vraiment juste un portrait comique, évidemment, de quatre jeunes qui Canadien. s'emmerdent à cet âge-là parce qu'à 16-17 ans, t'sais, on s'emmerdait tous un peu quand même. Ouais. Comment vous avez été contacté par le réalisateur? Vous aviez déjà travaillé ensemble ou On n'avait jamais travaillé ensemble, mais Vincent Biron, c'est un directeur photo à Montréal. Ouais. Il a toujours voulu être réalisateur, en fait. Puis Prank, c'est son premier long métrage qu'il a fait. Cela dit, quand moi, ça fait quand même quelques années que je suis dans le métier comme acteur, donc je le connaissais comme directeur photo, puis D'accord. lui me connaissait comme acteur, donc c'est lui qui m'a juste appelé pour voir. Il dit, tu veux-tu lire pour. Il m'a fait lire pour quelques rôles, puis finalement, on a décidé de prendre celui de Jean-C. Ah d'accord, donc vous aviez la possibilité de, un, de choisir le rôle que vous vouliez, et deux, de jouer sur le scénario, c'est-à-dire que vous Ben pouviez pas, apporter votre touche personnelle? ben pas de jouer, pas de choisir le rôle, mais on a lu les deux. Il y avait deux rôles en fait qui m'a fait lire. Puis après ça, c'est évidemment que c'est lui qui a choisi, mais en même temps, il y a toujours eu comme cette espèce de communication-là. Et vous avez pu intervenir par exemple sur les dialogues pour affiner, pour dire ça, moi je le verrais plutôt comme ça ou... Oui, tout le Ah, temps. c'est Oui, bien ça. moi c'est toujours comme ça que je travaille parce que je m'approprie quand même le personnage. La seconde où j'embarque dans un projet, le personnage m'appartient quand même. Puis s'il y a certains trucs que je sens que je Ouais. dois dire d'une certaine Qui façon, vont ou que sonner faux sinon. ouais, voilà, c'est ça, que ça va soit sonner faux ou carrément le contraire, que je me dis que ça va vraiment être meilleur si je le dis d'une autre façon, tu sais. Je me prive pas de le demander à Ouais. tout le moins, tu sais. Ouais. Et vous étiez le seul acteur professionnel ou il y avait les autres, Non. c'était casting sauvage ou... Non, il y en avait deux qui avaient déjà travaillé dans d'autres trucs. Puis les autres, ils venaient de terminer genre des écoles de théâtre et tout ça. Fait que c'était leur premier film, je crois. Je parle peut-être à travers mon chapeau, là, mais je pense que c'était leur premier film. Puis mais sinon, on est deux. L'acteur principal et moi, on avait déjà travaillé. En fait, le personnage est inspiré de quelqu'un qui existait vraiment, qui était D'accord. l'ami du réalisateur. OK. Donc, évidemment que lui, je l'ai vraiment regardé, là. Puis j'essayais de copier ses mimiques, puis Il pouvait pas tourner, lui. Ben, non, ben, il est beaucoup plus vieux. Il Ah. a 35, 30-35 ans, tu sais, je sais Ouais. pas. Puis là, on jouait, mettons, 18-20 ans, Non, fait c'est que, tu pas sais, possible. ça peut vraiment pas Non. marcher, là. Et c'est pas un comédien, tu sais, Ouais. c'est un preneur de son, là. Il était sur le plateau, d'ailleurs. C'est lui qui a fait le son pour Prank. Puis, donc, il y a lui, en grande partie. Puis sinon, je prends tout le temps un peu des mimiques de certaines personnes. Tu sais, il y a quelques personnes de mes amis que j'ai vues, que je faisais comme, ah, ça pourrait fitter avec le personnage, cette partie-là de lui. Ça, tu Ouais. sais, je vole un peu de tout, là, tu sais. Picasso qui disait, Ben, c'est vrai. un bon artiste Il vole un peu copie, ton un great artist steals, tu sais. nom. Ouais. Alors j'aime voler des trucs que je trouve vraiment génial, puis les montrer au cinéma, ouais. Quand même, parce que là, je vais faire un petit trivia, c'est une petite anecdote de tournage, c'est que, en fait, on n'avait pas vraiment de budget, tu sais, c'est vraiment un film indépendant, indépendant, tu sais. Puis, ce qui a fait que on ne pouvait pas faire rater l'école au personnage principal, qui était au secondaire, qui était l'équivalent de, je sais pas c'est quoi l'école en France, mais c'est genre la Secondaire, c'est 10e année. seconde, première, terminale. J'imagine, je sais pas, c'est, en tout cas, il y a 15 ans. Quand tu as 15 ans, tu es à l'école. Ouais, c'est seconde. Seconde, bon, voilà. Alors, il était là, puis on ne pouvait pas le faire rater l'école pour le tournage. Il est pas payé, tu sais, quand même. Fait, tu peux pas en plus le faire rater l'école. Puis, tu sais, moi, je tournais le jour, tu sais, sur un autre film. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tourné sur un an et demi. Ah ouais.
le soir et les fins de semaine. D'accord. Puis on se déplaçait, puis on faisait ça, sauf que des fois, ça faisait que, mettons, il y a une scène à la station-service où je parle du film Piège de cristal qui a filmé avec Bruce Willis. Parce que mon personnage, c'est un fan de cinéma. Puis tout au long du film, il est toujours en train d'essayer d'éduquer le personnage principal en cinéma, mais il parle pas des grands films connus, tu sais, un peu indépendants. Il parle des hits, des blockbusters d'action des années 80-90, tu sais. Genre Prédateur, les films de Bruce Willis, le film de Jean-Claude Van Damme, ce genre de trucs-là. Tu sais, ouais. C'est de ça qu'il parle. Puis, il y a une fois, on avait fini de tourner pas loin d'une station-service. Puis, c'était là que la scène était supposée se dérouler, la scène où je raconte le film de Bruce Willis. Puis le gars de la station-service a dit « Ah, je peux, mais ça va être maintenant ou jamais. » Et là, moi, j'avais pas mon... Dans le sens que j'apprends mon texte par cœur la journée d'avant ou deux jours avant, tu sais, dans le sens que je me pratique quand je le sais, ça va être quand. Mais là, on n'avait aucune idée. Puis en fait, ben, ça va être là. C'est quand même un bon... passage. Dans le sens que c'est un monologue, tu sais, ouais, c'est moi qui fais juste parler du film, tu sais. Tu l'as fait entièrement en improvisation, alors? Non, ben, je l'ai appris vraiment rapidement, en 10 minutes. Tu sais, je suis vraiment chanceux parce que... J'ai fait quelques séries jeunesse au Canada, puis ça, c'est des usines. Ça, c'est vraiment, tu tournes un épisode par jour, tu sais, fait que c'est... Et donc, du coup, t'as les textes 10 minutes avant, quoi. Ben, pas nécessairement, mais c'est... Ta mémoire est vraiment sollicitée énormément à tous les jours, tu sais. Ouais. T'apprends des textes et des pages et des 30 pages à tous les jours, tu sais, fait que c'est sûr qu'il faut quand même que... Entraîner la mémoire. Ouais, t'entraînes la mémoire, mais vu qu'elle était déjà ou qu'elle est déjà entraînée, j'arrive quand même à apprendre un texte facilement, tu sais. Mais ça reste... Et un monologue, t'as réussi à l'apprendre en 10 minutes. Ouais, 10-15 minutes, ouais. Mais tu sais, je me suis trompé quelques fois, là, quand même. Je dis, ah, je l'ai pas eu, je voulais faire, ok, ben on recommence. Tu sais, on a eu le temps, au moins, la joie de faire un film indépendant, c'est qu'on n'a pas nécessairement d'horaire très, très, très fixe. Un an et demi pour tourner. Ouais, un an et demi, c'est ça, mais tu sais, il y a des deux semaines qu'on tournait pas, mais il y a des fois où c'était samedi. Ça doit pas être évident, parce qu'il faut te remettre dans le rôle, tu fais d'autres choses à côté. Ouais, c'était pas évident, puis c'était pas évident aussi de garder le même look. Ah oui, c'est vrai. Parce que moi, je tournais sur un autre truc, tu sais, en même temps. Puis, tu sais, c'est rare que j'enchaîne pas, mettons, les projets. Fait que là, j'étais tout le temps comme, ben, je peux pas changer rien, mettons. Ouais. Tu sais, de mon visage ou de mes cheveux. Puis, t'es comme, ok, bon, on va te prendre comme ça. T'sais, fait qu'au moins, j'ai réussi à faire d'autres films ou d'autres tournages en même temps, sans trop changer mon look, là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le projet? Pourquoi t'as choisi? Le fait que ce soit une comédie. Moi, j'adore les comédies, puis je fais souvent des drames au Canada. Puis le fait que ce soit une comédie, le fait que ce soit Vincent Biron aussi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis le fait aussi que, parce qu'en lisant le scénario, j'ai vu que c'était une comédie sur les jeunes, mais qui n'est pas cliché du tout. Il n'y a pas de happy ending, de fin heureuse. Il n'y a pas de... Ça n'a pas un regard moralisateur genre sur les jeunes, tu sais. Puis souvent, les films où il y a des jeunes, il y a ça beaucoup, tu sais. Bah oui. Puis moi, je trouve ça énervant, honnêtement. Ceux qui font des trucs pas bien, ils meurent. Ceux qui font des... Ouais, voilà, c'est ça. Puis, tu sais, puis rendu à un certain âge, quand tu regardes ces films-là, si le film est supposé s'adresser à un jeune d'à peu près 16 à 20 ans, je trouve que c'est un peu... Ça insulte un peu notre intelligence, tu sais, dans le sens que... On comprend. T'sais, on comprend quand même la vie pas pire là, à 16, 17, 20. Ben ouais. Tu sais, on n'est plus dans le vibe de Walt Disney, tu sais. Ouais, alors ouais, on adore regarder les trucs de Walt Disney, c'est parce qu'on accepte la convention. Ouais. Mais si on veut un vrai film réaliste sur la jeunesse, genre ça se peut que ça finisse pas bien ou ça se peut qu'il n'y ait pas réellement de grande aventure. Ouais. Tu sais, c'est juste, ou juste carrément pas, comme je dis, de regard moralisateur sur la jeunesse, tu sais. Ouais, donc c'est plus c'est juste... par rapport au niveau artistique que... Ouais voilà, préférer... c'est vraiment un coup de cœur artistique, ouais. C'est pour ça que, en général, c'est pour ça que je choisis mes projets, c'est vraiment parce que je veux le faire, je veux en parler de ça, mettons. Ouais. Et quelle est pour toi ta vision du cinéma indépendant? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'apporte, selon toi, le cinéma indépendant par rapport au cinéma traditionnel, justement des blockbusters dont on parlait? Ben, ça, ce que ça peut apporter, en tout cas, c'est une vision qui est beaucoup plus personnelle. Puis, et donc, ça peut parfois se rendre vers quelque chose de plus universel. C'est-à-dire que, tu sais, un blockbuster, par exemple, il y a quand même beaucoup de conventions, puis il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde derrière ton idée.
Mais c'est marrant parce que normalement les blockbusters ils sont censés plaire à tout le monde justement et être universels. Oui absolument, mais c'est comme une universalité qui est assez futile genre, qui est assez en surface genre. C'est-à-dire, et donc c'est pas nécessairement universel, c'est juste comme un espèce de sentiment qui est universel, mais c'est pas vraiment un, quelque chose de profond. Au niveau ça, touche, oui. Ça touche pas ta fibre humaine. Oui. Ça touche juste les caractères. Ouais c'est ça, ça touche. Ça touche pas grand chose. Tu sors de là, t'as le goût de manger une crème glacée, tu t'en fous en fait de ce que t'as vu. Tu peux ne pas avoir d'opinion limite après avoir vu ce film-là. Parce que t'en as juste pas. Tu sais, ça t'a pas fait générer d'opinion à part. T'as ri, t'as fait ah, c'était impressionnant, regarder les effets spéciaux. Mais tandis qu'un film, mettons indépendant, ce que t'as, c'est que t'as quand même une idée, puis le réalisateur ou le cinéaste en tant que tel, il peut vraiment mettre son idée de A à Z en pratique, puis il peut vraiment avoir une plus grande carte blanche, si on veut. Une liberté. Une plus grande liberté, ouais, c'est ça. Il peut vraiment avoir une plus grande liberté, puis ça, ça fait qu'il peut aller chercher des sujets que tu peux pas aller chercher quand tu fais un blockbuster, parce que ton but, en général, tu sais, quand tu fais un blockbuster, c'est de faire de l'argent. Ah ouais, bien tandis sûr. Que, mettons, un but dans le cinéma indépendant, c'est pas de faire de l'argent, c'est de faire du cinéma. C'est dans le sens... C'est différent, quand même, tu sais, c'est une grosse affaire, mais c'est... Tu peux prendre le temps de développer les personnages, tandis que, mettons, un blockbuster, tu sais, moi, j'en ai fait, là. Ah oui? J'en ai fait un, c'était un film sur le hockey, là, tu sais. Tu sais, t'as des scènes où t'es là, puis faut que tu mettes, mettons, dans le mood, mais t'as juste des écrans verts partout, c'est quand même plate, là, tu sais. C'est le fun, parce que c'est une autre façon de le faire, tu sais. J'adore les deux, tu sais. Ouais. Parce que, mais il y en a une qui a vraiment... qui se rapproche plus de ce que le cinéma veut faire puis qu'il a toujours voulu faire, tu sais. Ouais. Un autre aspect que j'aime faire quand je fais un film plus indépendant, c'est-à-dire tu peux vraiment plus approfondir ton côté artistique. Puis c'est ça quand même qui te fait t'épanouir, tu sais, dans le fond. Ben oui, bien sûr. C'est pas ça qui te fait nécessairement gagner ta vie tout le temps, mais ça te fait t'épanouir, tu sais. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire les deux, tu sais. Fait que je gagne ma vie, puis en plus de ça, je peux faire des projets comme Prank, qui me permet genre vraiment au niveau artistique de m'épanouir. En fait, c'est le cinéma traditionnel avec des blockbusters qui te permet de faire et d'être libre au niveau indépendant. Et voilà, c'est ça. T'sais, j'ai la chance de faire les deux. Il y en a qui n'ont pas la chance de faire les deux. Il y en a qui se font juste caster dans un film de blockbuster. Il y en a qui se font juste caster dans des films indépendants. Puis il y en a qui ont juste comme de la misère en général à travailler. Mais moi, j'arrive à comme... À mélanger les deux. Ouais, c'est ça. Fait que je suis comme... Oui, ouais, voilà, t'sais, c'est ça. Touche du bois ou whatever. Voilà. Je suis vraiment fier et je suis vraiment content. Est-ce que tu travailles sur un nouveau projet en ce moment? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je peux en parler. Je peux en parler justement dans les derniers jours. J'ai eu le feu vert pour commencer à en parler. Ben là, il y a deux séries. Il y a une première série qui va être à Radio-Canada, qui est à la télé, qui s'appelle Olivier. C'est un jeune orphelin qui passe de foyer d'accueil en foyer d'accueil dans les années 70. C'est assez lourd. Un drame assez lourd. Avec, en même temps, en toile de fond, les années 70. Ouais, fait que c'est beau. Il y a quelque chose d'assez beau dans les voitures, dans les costumes, dans les coiffures, dans même la façon dont les gens se comportaient, tu sais. Ouais. Par exemple, mettons, il y a plusieurs scènes de famille, puis la dynamique père-mère, là, mettons, c'était pas très égal, mettons. Ah oui, oui. Mais c'est beau à voir, c'est horrible à se prendre, parce que c'est quand même... Il y a quand même beaucoup de violence, puis tu sais, c'est intense, là, dans le sens où moi, je viens pas de cette époque-là. Moi, depuis que je suis né, mettons, à peu près, là, t'sais, en tout cas, moi, dans ma tête, les hommes et les femmes ont toujours égaux. Été égaux. Bah, ouais, pour moi, ça a toujours été ça. Mais il fut une époque où non. Fait que quand il y a ça, t'sais, aussi. Fait que c'est quand même super intéressant. Ah, mais même la génération d'avant, mes parents, je vois bien qu'ils... Ah ouais, mais mon père et ma mère, c'est ça. Tout est... ils ont leur rôle. Voilà, ils ont leur rôle, ouais. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas genre mieux ou moins bon, c'est juste c'est des rôles c'est comme différents. Ça. Voilà. Puis c'est accepté. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est une évidence. Fun. C'est-à-dire qu'on peut même pas leur demander de faire l'un à la place de l'autre. Mais non, parce qu'ils je suis pas une fille. Ils vont dire je suis pas une femme. Ça leur vient même pas à l'esprit, quoi. Non, exact. Non, c'est ça, voilà. Puis sinon, une autre série, ça c'est plus... Plus jeunesse, c'est à TVA, qui est une autre chaîne de télé, qui est une série sur le karting. C'est le karting. Ouais, je ne sais pas si vous en avez ici en France. Oui, bien sûr. Ouais. Mais une série sur le karting, dis donc. Ouais, c'est ça. C'est genre des jeunes qui font du karting, des compétitions de karting. Des rebelles. Des jeunes rebelles du karting, de Montréal. Ouais, c'est ça. Fait que, voilà. Mais en plus, c'est à Québec, c'est pas à Montréal. Mais ouais, fait que, y a ça. Puis là, sinon, je viens de terminer un film qui s'appelle L'amour. Qui est un film de beaucoup d'actualité, hein?
Ouais, quand même. Tant mieux pour toi. Quand même, ben, je suis vraiment content. T'sais, ouais. Dans le sens, j'ai commencé à 14 ans. Ah oui. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas tellement arrêté. Là, t'sais. Fait que je suis assez choyé. Là. Excellent. Ouais, vraiment. Gagner sa vie avec ça, mettons. Là, j'ai 24 ans, ça fait 10 ans. Ouais. Tu sais, j'ai 10 ans de carrière, j'ai 24 ans, j'ai l'air d'un kid encore. Puis j'ai... Ben, tant mieux. Ben oui, tant mieux. C'est tout à ton avantage. Oh non, c'est sûr, je suis tellement fier, mais je le réalise comme pas, là. Tu sais, je le dis humblement, puis je me sens comme un imposteur. T'es invité sur des festivals comme ça. Ouais, exactement. Tu sais, on a fait, avec Prank, on a fait la Mostra de Venise, oui. On a fait plein de festivals partout dans le monde. Ah, quand même. Puis là, on a celui-là ici, tu sais, Cinémonde à Berck, c'est quand même, tu sais, c'est génial, on est tellement fiers, surtout d'un film comme Prank où, genre, on n'a jamais pensé peut-être ouais. que... Atteindre autant de gens. Ben, jamais, genre, ben, dans le sens, tu sais, on l'a fait. L'histoire, dans le fond, du pourquoi ce film-là a été fait, c'est qu'à 30 ans, Vincent Biron, comme j'ai dit, qui a toujours voulu être un réalisateur, et qui mm-hmm. en est un, dans le fond, c'est juste qu'il y a au Canada, c'est par subvention. C'est avec les subventions que tu peux faire tes films. Mais il est arrivé à 30 ans, puis il a juste fait « Hey, je peux pas genre attendre tout le temps. Il faut que je fasse un film. Puis je vais le faire là. » Fait que lui et ses amis, qui sont également dans le milieu, et des amis auteurs, tout ça, ils ont comme se sont repenchés, puis ils ont écrit, puis ils ont écrit Prank. Puis ils l'ont tourné dans la même année. Genre... En 4 mois, là, c'est genre là, l'idée de vouloir faire le film et l'idée... Et le départ du film. Et le départ du film, ça a été fait, là, tu sais, fait que... Excellent. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, l'histoire de Prank. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.